Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Mon nom est Ben Picard. Le thème de la conférence de ce soir est le monde des savoirs en mutation. Alors, comme l'illustre la vidéo que vous avez sous les yeux, cette mutation est essentiellement, évidemment, accélérée par la technologie et singulièrement la mise en réseau, en fait, des objets, hein, des objets que l'on va connecter en quelque sorte à l'Internet. Alors lorsqu'on parle d'objets connectés à Internet, tout le monde pense forcément aux ordinateurs, hein, qu'on met en réseau, aux tablettes, aux PC. À côté des ordinateurs individuels, il y a évidemment tous les ordinateurs centraux, hein, ce qu'on appelle le cloud aujourd'hui. Il y a évidemment toutes les informations que vous fabriquez vous-même avec ces ordinateurs, que ce soit avec votre Facebook, avec votre Twitter, etc. Mais il y a aussi toute une série d'autres objets auxquels on ne pense pas nécessairement, qui sont tous les objets communicants qu'on connecte à Internet. Les caméras, les capteurs, les sondes que vous aurez éventuellement bientôt sur vous, des milliards et des milliards d'objets qui sont connectés en fait sur le réseau des réseaux. Alors, tous ces objets, tous ces capteurs, toutes ces informations constituent évidemment une formidable mine de données, hein, de connaissances, de savoirs. Il reste que des savoirs au savoir-faire, hein, c'est pas parce qu'on a un thermomètre électronique branché quelque part que nécessairement on sait la température. Des savoir-faire au faire-savoir, qu'on sait exploiter cette information, et des faire-savoir au savoir-être, qu'il y a une sagesse derrière tout cela. Et donc, il reste évidemment une espèce de grande illusion, hein, derrière Internet. C'est l'idée que cette espèce d'accès facilité à la connaissance signifierait une espèce de sagesse universelle. On en est évidemment très loin. Alors, le conférencier de ce soir, Bruno Schröder, travaille depuis une bonne trentaine d'années maintenant dans le secteur informatique. Il est ingénieur en thermodynamique, il a fait pas mal de métiers et il compte aujourd'hui parmi une quarantaine de ce qu'on appelle des National Technology Officers ou NTO chez Microsoft. Ce sont des spécialistes qui s'intéressent en fait à l'impact de la technologie sur les organisations, les entreprises, les organisations humaines, les régions. Et nous avons le plaisir de l'avoir comme interlocuteur ce soir. Alors, en tant que NTO, évidemment, au-delà de la théorie, vous allez retrouver Bruno dans la mise en pratique, évidemment, de cette théorie. On le retrouvera comme cofondateur de Microsoft Innovation Center ici à Mons, à Bruxelles ou en Flandre. On le retrouvera dans pas mal de comités scientifiques, hein, que ce soit Liège 2017, Child Focus ou le CETIC, par exemple. Mais c'est surtout, évidemment, comme utilisateur d'Internet depuis de nombreuses années et National Technology Officer, bien entendu, qu'il va partager avec nous son expérience sur le sujet de la conférence ce soir. Bruno, the floor is yours dès que la vidéo est terminée. Bonne soirée, mesdames, messieurs. Merci, Ben. Bien, mais on va laisser se dérouler la vidéo. Donc voilà, je suis effectivement Technology Officer. Alors je ne sais pas si je vais vous rassurer ou vous décevoir tout de suite, mais je ne vais pas vous parler beaucoup de technologie aujourd'hui. Un des travers des informaticiens, en fait, c'est de tout le temps expliquer comment ils font les choses. Et alors on vous parle de langage de programmation, on vous parle de choses qui sont à l'intérieur des programmes ou des ordinateurs. Je pense que ça n'a vraiment pas beaucoup... ça a de l'intérêt, évidemment, parce que c'est la base, mais la discussion n'est pas là. Ce qui est beaucoup plus important... c'est de savoir à quoi ça sert et ce qu'on peut faire avec. Et il se fait que, effectivement, la généralisation de l'informatique, de ces outils dans le monde et dans notre vie quotidienne, a toute une série d'impacts sur la société, sur le monde dans lequel nous vivons, au point que, personnellement, je n'hésite pas à dire... Oups, là, non, je ne suis pas au bon endroit... je n'hésite pas à dire que la principale force qui transforme le monde, c'est en fait aujourd'hui la force de l'économie digitale. C'est l'ensemble des éléments qui se trouvent là-dedans, qui se trouvent dans ces PC, qui se trouvent dans ce qui fait fonctionner une série d'équipements dans ce bâtiment ou dans votre voiture ou dans la machine à laver. C'est là que ça se trouve. Alors je vais mettre mon timer en route parce que j'ai une tendance à déborder du temps qui m'est imparti. Donc voilà. Et donc, aujourd'hui, le but du jeu, c'est de parler un peu du monde des savoirs, parce que
L'objet de l'informatique, c'est de manipuler de l'information, c'est de manipuler quelque chose qui a un sens quand on l'utilise. Et ben, la principale utilisation qu'on peut faire de l'information, c'est pour le savoir. Alors, ce qui se passe maintenant, l'ampleur du changement qu'on voit est telle que la notion même de savoir est en transformation. Alors, les anciens savoirs, et bon, je dis ça pas du tout de manière péjorative, mais je dirais les savoirs actuels, les savoirs historiques de l'humanité sont toujours valables, hein, ça ne disparaît pas. Mais il y a un certain nombre de nouvelles compétences, un certain nombre de nouvelles possibilités, et évidemment un certain nombre de défis, d'enjeux et de risques, d'aspects négatifs qui se posent maintenant, qui sont vraiment complètement différents de ce que nous avons, connu. Voilà. Donc je vais essayer de ne pas être très technique. Et ça, j'ai oublié de les effacer. C'était ma préparation. Alors, je vais commencer par quelques évidences. Alors, j'ai hésité au début sur l'endroit où mettre certains éléments, parce que il y a des choses qui sont évidentes pour les technologues, il y a des choses qui sont évidentes pour les utilisateurs, mais c'est peut-être pas évident pour ceux qui ne le sont pas. Mais bon, voilà, il a fallu placer ça. Donc, ce ne sera peut-être pas évident pour tout le monde, mais commençons néanmoins par quelques faits. Le premier point, c'est quand on parle de savoir, eh bien, il y a de l'information, il y a de la connaissance derrière. Et le premier point remarquable où nous en sommes pour le moment, c'est l'inondation totale dans laquelle nous sommes quant à la création des informations, quant au flux constant, permanent d'informations que nous générons. Si on prend comme point de référence 2003, et si on se demande quelle est la quantité d'informations, donc la totalité des textes, la totalité des livres, tout ce qui a été écrit, enregistré, stocké, de l'aube de l'humanité jusqu'à 2003, on a 5 exabytes. Le chiffre n'est pas vraiment important. Mais donc, tout ce qu'on a fait en 2003, en fait, en 2010, tout ce qu'on a fait jusqu'en 2003, en 2010, nous produisions la même quantité de données en 2 jours. L'an prochain, nous allons produire toutes les 10 minutes la même quantité de données, d'informations qui a été produite par la totalité de l'humanité jusqu'en 2003. Toutes les 10 minutes, nous allons le faire. Et ça, en fait, ça se traduit également par le fait qu'en un peu moins de 2 ans, nous doublons la quantité d'informations qui est disponible sur la planète dans l'environnement digital. C'est donc, bon, c'est pour ça que je parle d'inondation, c'est un flot absolument continu de données, de choses qui sont générées. Pour situer aussi quelques chiffres, le tableau qui est là reprend quelques éléments qui sont faits chaque minute de chaque jour dans le monde digital. Il y en a un que je trouve assez révélateur. Bon, vous êtes certainement beaucoup à utiliser Facebook. Une personne sur 7 sur la planète utilise Facebook pour le moment. Eh bien, chaque minute, il y a à peu près 700 000 choses par minute qui sont postées sur Facebook sur la planète. Donc, voilà, flux total. Quand on voit ce qui est posté sur les blogs, donc quantité de matériel posté sur un blog par jour, un jour de blog sur la Terre, ça équivaut à plus de 700 années du Vif, l'Express, de Times ou d'une n'importe quelle revue hebdomadaire. Donc un jour de blog, c'est 700 ans de publication d'une revue hebdomadaire normale. Donc voilà, on se trouve face à une quantité d'informations absolument phénoménale. Qui est accessible également de manière tout à fait particulière. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'aller chercher de l'information dans des bibliothèques, dans des livres, dans certains répertoires. On a tous l'habitude de pouvoir aller consulter des sites web et de trouver de l'information dedans. Et qu'est-ce qui nous a permis d'accéder aux sites web? Ce sont les indexeurs, Bing chez Microsoft, Google, Yahoo, AltaVista pour les premiers. C'est le moyen d'aller chercher quelque chose dont on sait qu'il existe. On va essayer de trouver un point. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on voit également? On voit que la transformation dans les moyens d'accès est vraiment un peu bizarre pour les adolescents, pour des tas de gens. Le moyen d'accéder à de l'information intéressante, le plus utilisé, c'est devenu Facebook. Pourquoi? Parce que les gens qu'ils connaissent, les amis, leur réseau, en fait, sont également présents sur Facebook. Et chaque fois qu'ils font quelque chose ou qu'ils trouvent quelque chose d'intéressant et que c'est mis sur Facebook, eh bien, en fait, ça leur donne une indication sur quelque chose qui vaut peut-être la peine, puisque s'ils sont des amis, ils ont fatalement des points communs. Et on voit, et c'est l'objet d'une grande bagarre entre grandes sociétés, entre monstres de l'informatique, entre Google et Facebook, pour ne pas les nommer,
sur le contrôle de l'accès à l'information. Parce que, eh bien, à partir du moment où il y a tellement d'informations qui sont stockées par un septième de l'humanité, il y a une personne sur sept qui met des informations dans Facebook, eh bien, ça devient la source de des informations qui peuvent présenter un intérêt pour quelqu'un qui a des points communs avec vous. Par ailleurs, en ce qui me concerne, je constate que j'utilise de plus en plus Twitter comme source d'information. Et donc, Twitter, c'est une espèce de SMS public qui est, dont la liste est postée avec des références. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait ? On voit que les journalistes, une série de spécialistes, les hommes politiques, les médias en général, envoient énormément d'informations sur Twitter. Et maintenant, quand je cherche une page web bien précise, eh bien, je vais sur Bing et je peux la chercher parce que je sais qu'il y a certains mots-clés qui y sont attachés. Quand je cherche de l'information sur un sujet particulier, ma première source est devenue Twitter. Parce que à peu près tous les spécialistes du monde, sur à peu près tous les domaines, tweetent leurs découvertes, tweetent les articles, tweetent toute une série d'informations, et c'est devenu en fait mon premier centre d'aiguillage pour l'information. Ce qui veut dire que, à la fois pour Facebook dans l'utilisation privée et Twitter, mon interlocuteur est passé d'un programme informatique désincarné à la Bing ou à la Google à un médiateur humain. Et donc, si on retourne à la manière dont on accédait à l'information avant, ben on passait par un professeur ou on passait par le bibliothécaire qui nous conseillait tel livre ou qui nous apprenait telle matière pour le professeur. Eh bien, ici, en fait, on se retrouve de nouveau, et c'est assez paradoxal dans ce monde où tout est digital, je me retrouve de nouveau, en fait, à ce que mon première interface, ce sont des gens. Maintenant, contrairement aux bibliothécaires ou aux professeurs que je connaissais, ici, je suis absolument pas... qui sont ces gens ? Je les découvre à travers leur activité intellectuelle et à travers le filtre qu'ils font dans l'information. Mais finalement, j'ai là un réseau, donc j'ai 120, 130 personnes en fait, que je suis pour les domaines qui me concernent professionnellement. Eh bien, ces 120, 130 personnes deviennent mes filtres par rapport à l'information. Donc voilà, il y a une énorme quantité d'informations et on se retrouve en fait là un peu sorti du monde de la technologie, mais grâce à la technologie, je peux utiliser en fait une série de personnes qui m'aident, bien involontairement, parce qu'ils ne sont pas au courant, mais qui m'aident à trouver des informations intéressantes. Ça, c'est un changement assez important également dans la manière dont nous accédons au savoir et dans la manière dont l'utilisation du savoir se fait aussi. Alors la grande question qui se pose, évidemment, c'est quelle est la crédibilité de ces gens ? Et donc là, il y a différents moyens d'établir la crédibilité, mais essentiellement en voyant leur historique de posts et les commentaires que les autres personnes font par rapport à l'information qu'ils posent. Il y a donc une espèce de validation sociale qui se met en place dans ce monde très, très technologique. En dehors de ça, un autre élément de changement assez représentatif maintenant, c'est la structure d'accès à l'information. Et là, si vous avez tous utilisé un dictionnaire, le dictionnaire s'est basé sur le fait qu'il y a un classement alphabétique qui, en gros, le dictionnaire, c'est le tronc de l'arbre. Chaque lettre, c'est une branche et chaque mot, c'est une feuille de l'arbre. On a un fonctionnement de manière qui est organisé de manière hiérarchique avec un raffinement successif de l'information. Les nouveaux médias et les nouvelles possibilités que la technologie nous donne sont relativement quand même assez différentes. Si on va voir sur Wikipédia, par exemple, le principal point d'entrée dans Wikipédia, c'est en cherchant un mot-clé, mais ce que vous allez trouver à l'intérieur, vous allez trouver dans l'intérieur du texte des liens qui vous permettent de passer d'une feuille à une autre. Et donc, alors que dans un dictionnaire, il n'y a pas grand-chose qui vous permet de passer d'un mot à un autre, dans les technologies informatiques, notamment avec les wikis, on a cette possibilité de commencer à naviguer horizontalement par analogie ou sur base d'un lien que l'auteur du texte a décidé explicitement de placer dedans. Ça nous donne une toute autre structure d'information également. On est là dans une possibilité de navigation et d'exploration des territoires connexes qui est extrêmement enrichissante. Alors il y a des choses qui sont aussi un peu bizarres. J'ai un exemple ici. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit. Exemple, question, suggestion, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? C'est une page d'accueil. C'est une page d'accueil de quoi ? Pardon ? La presse. Oui, non, absolument pas. C'est vrai qu'il y a des analogies en affichage. En fait, ceci, c'est la page d'accueil d'un blog féministe, d'activistes,
qui veulent démonter l'image donnée par la femme dans les médias. Et donc, c'est un contenu... Bon, elles le font d'une manière assez, assez intéressante, mais le contenu est présenté de cette manière-là, avec, avec une image qui renvoie à ça. Il n'y a pas de structure globale non plus. Là, on ne va pas trouver les liens qu'on va trouver dans Wikipédia. Mais c'est un accès symbolique à l'information qui est présent, alors que c'est un sujet qui est extrêmement concret, qui est finalement relativement fort intellectualisé, puisque c'est un démontage théorique ou bien un peu d'humeur. Mais on se trouve donc avec une interface presse ou une interface de type militant dans un domaine qui est complètement abstrait, dont la structure est vraiment complètement différente et a priori peut sembler tout à fait incompréhensible pour quelqu'un qui n'est jamais allé voir derrière. Donc l'environnement dans lequel nous sommes à la fois une quantité phénoménale de données qui nous arrive, un rôle tout à fait particulier donné à certains outils, mais de plus en plus à certaines personnes qui deviennent des médiateurs, d'éléments de connaissance, et dans des types de structures d'information qui sont quand même assez différents de ce que nous connaissons intuitivement dans les livres et dans la manière dont nous avons appris. Ça induit en fait toute une série de comportements, d'éléments et de possibilités diverses. Ça induit fondamentalement toute une série d'autres stratégies d'utilisation de l'information et de construction du savoir. Il y en a un qui est cette partie de droite, qui est ce qu'on appelle le quatrième concept scientifique. On est parti au départ, très très loin chez les Grecs, d'une science qui se basait sur la description des phénomènes naturels. On est passé ensuite à la formalisation, les équations de Newton par exemple, la gravité. Donc on a pu abstraire certains comportements et les décrire en termes de lois qu'on a pu utiliser pour faire des prévisions. C'est quelque chose qui est resté très fondamental pendant très très longtemps. On est passé, avec l'arrivée des ordinateurs, à la simulation de choses qui étaient trop complexes pour pouvoir les mettre en loi. Et donc, par exemple, quand on veut modéliser la circulation de l'air sur une voiture ou sur un avion, ce ne sont pas des équations. Ce sont en tout cas des choses qui sont... Il y a des équations derrière, mais on ne peut en faire quelque chose que si elles sont interprétées par un ordinateur. Mais il y a toujours une équation derrière. On en est maintenant, en fait, à un quatrième type de concept, qui est en fait l'exploitation de quantités énormes de données dans lesquelles on va chercher quelque chose sans savoir ce qu'on y cherche. On va croiser des informations et puis on va lancer des programmes, ça s'appelle, ce sont des programmes automatiques d'apprentissage qui passent à travers toutes les données, qui essayent de retrouver certains éléments, certaines caractéristiques dans les données, qui retrouvent des patrons, des structures, et ces structures en fait correspondent parfois, assez souvent, à des lois ou à des éléments qui deviennent des éléments vérifiables. C'est à travers des techniques informatiques qu'on a pu prouver un des théorèmes qui a résisté le plus longtemps à la sagacité des mathématiciens. La preuve de la validité de ces théorèmes est incompréhensible, est trop longue pour qu'un humain puisse la comprendre. Ils ont dû la vérifier. Ce sont des équipes internationales qui ont dû travailler, se partager le travail pour convenir que oui, effectivement, la preuve était bien là. Mais fondamentalement, c'est une preuve qui a été donnée par des méthodes automatiques. Donc on a, avec cette énorme quantité de données, on a de nouvelles possibilités qui se manifestent. Quand on peut les exploiter en allant chercher des choses qui ont l'air de faire sens, eh bien, on voit arriver de nouveaux types d'informations. Ça, c'est une stratégie, c'est un nouveau type de savoir qui est en fait l'exploration de données pour y trouver quelque chose. J'ai quelques exemples assez particuliers dans ce domaine que je détaillerai un peu plus tard. On trouve également, je vous ai déjà mentionné Twitter, et la manière dont c'est devenu mon filtre quand j'ai besoin de trouver des informations sur une compétence. On a en fait une catégorie de gens qui sont des experts coopératifs. Alors, pourquoi experts ? Ce sont en fait des spécialistes du domaine, des gens qui investiguent ça professionnellement ou à titre privé en tant que hobby, mais coopératifs parce que si vous posez une question sur un forum, eh bien, ils vont répondre. Ou bien ce sont des gens qui sont engagés par des sociétés, Microsoft ou d'autres, pour participer à des processus qu'ils ne comprennent pas très bien parce qu'ils viennent d'arriver, mais qui ont en fait cette capacité de pouvoir trouver des informations qui font sens et de les connecter à d'autres personnes pour ensemble arriver à une solution. Ça, une des manières les plus évidentes, c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing, où certaines entreprises ou certaines personnes qui ont un besoin lancent quelque part sur Internet la description de ce qu'ils voudraient, et puis une série de personnes se mettent ensemble, font la conception de l'objet, et décident après de faire appel à des financements pour le fabriquer s'il y a suffisamment de personnes intéressées. On voit là donc des processus coopératifs qui se mettent en place.
de cette manière-là, ou alors, parfois de manière beaucoup plus institutionnalisée, il y a une mine d'or au Canada qui est devenue célèbre dans ce domaine-là, parce que c'était une mine d'or qui n'avait plus de mine d'or, en fait. Ils avaient épuisé tous leurs filons, et ils étaient au bout de ce qu'ils pouvaient exploiter, et pour relancer la prospection, ils ont fait appel à l'avis, à l'opinion des gens sur Internet, en leur demandant, tiens, où pensez-vous qu'on pourrait aller trouver des mines d'or ? Alors, ça me semble un peu bizarre de faire appel au public pour obtenir des informations sur l'emplacement d'une mine d'or, mais en tout cas, ça a marché. Et ils ont reçu suffisamment d'informations pour pouvoir relancer complètement de nouvelles activités de production, et c'est une entreprise qui est toujours active pour le moment. Il y a donc, voilà, on voit arriver dans ce monde-là des phénomènes qui peuvent sembler a priori bizarres. Je ne sais pas si j'irais tout à fait naturellement confier à quelqu'un l'endroit où je pense qu'il y a une mine d'or, mais en tout cas, voilà, ça s'est passé, et ça s'est mis en place. Donc, voilà, ces experts coopératifs, ce sont des comportements qui apparaissent quand la quantité d'informations est là et quand la quantité de connexion est là également. J'ai déjà parlé du big data, cette capacité à aller chercher des informations dans des grandes quantités de données. C'est utilisé de plus en plus dans le monde scientifique, c'est utilisé également dans le monde de la recherche ou de l'identification de certains problèmes. Il y a quelques exemples sur lesquels nous avons travaillé chez Microsoft, dans lesquels on a passé à la moulinette 15 ans de fonctionnement d'un réseau d'hôpitaux pour trouver une série de réponses à la question qui était pourquoi certaines personnes, certains malades, sont-ils réadmis à l'hôpital dans les 30 jours qui suivent la sortie, et pourquoi sont-ils réadmis pour une pathologie qui est différente de la pathologie de départ. Et donc en lançant ces machines sur la grande quantité de données, bon, on a vu arriver des choses relativement évidentes, hein, que tout le monde connaissait, puis on a vu arriver des choses un peu moins évidentes, mais qui n'étaient pas surprenantes. Et alors en troisième rang, on a vu arriver des choses dont personne n'avait connaissance. Et on s'est rendu compte, par exemple, de certaines indications, de certaines interactions médicamenteuses qui augmentaient le risque de complications dans certains types de pathologies. On s'est rendu compte également que le retour dans les 30 jours des patients pour une pathologie différente, dans un certain service, tous les patients étaient passés par le même médecin. Et donc il y avait là quelque chose qui était bizarre, que personne n'avait remarqué pendant les 15 ans d'activité, mais qui apparaissait quand on pouvait travailler sur de longues séries. Ça a permis également d'identifier une chambre particulière, parce que les patients qui passaient leur dernière nuit dans cette chambre-là avaient en fait une probabilité 4 à 5 fois supérieure de revenir malade dans les 30 jours, et il y avait en fait une pollution bactérienne dans un élément de la chambre qui avait résisté à tous les désinfectants jusqu'à maintenant que personne n'avait vraiment identifié. Donc on voit arriver ce genre de choses. Alors là, on a, en matière de savoir, on a certaines choses qui apparaissent, dont on ne savait pas qu'elles étaient là, mais qui sont quand même néanmoins présentes. C'est quelque chose sur lequel je vais revenir. Et là, on a des questions assez particulières qui se posent, notamment dans la révélation de choses qui sont publiques, mais que personne n'a encore dites. Il y a des choses qui ne se disent pas parce qu'on ne les formalise pas. Alors, par exemple, il y a un cas qui a attiré énormément d'attention, c'est le cas d'une société aux États-Unis qui vend toute une série de produits d'hygiène, de désinfectants, de produits domestiques, et qui en fait était intéressée à identifier les femmes enceintes. Pourquoi ? Parce qu'en les identifiant, ils pouvaient envoyer de la publicité pour des produits qu'elles utilisent, et ils pouvaient les envoyer suffisamment tôt, dès qu'il était possible de savoir qu'elles étaient enceintes, pour les fidéliser dans ce magasin. Ça a super bien marché, mais c'était un peu trop efficace, dans la mesure où, en fait, certaines familles, j'ai une copie de l'article après, d'ailleurs, dans certaines familles, les publicités sont arrivées avant que le mari ou le père, dans le cas d'une fille, ne soit au courant qu'il y avait une grossesse dans la famille, avec quelques réactions un peu importantes, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, ces données étaient complètement publiques. Ça se basait sur des profils d'achat, les cartes de fidélité, sur des sites, des liens qui avaient été mis sur les profils Facebook, par exemple. Absolument rien de confidentiel, mais il se fait que c'était quelque chose qui était latent et qui, tout d'un coup, devient révélable quand on commence à croiser des informations. Et il y a donc là, en dehors de ce que nous savons et de l'information objective, il y a un nouveau type de savoir qui est un savoir qui nous concerne, un autre sujet, qui tout d'un coup devient révélable et devient public. Alors, c'est vrai qu'une grossesse, ça finit inévitablement par être public, mais il y a quand même une partie au début où il y a une certaine préoccupation de confidentialité ou de protection de la vie privée. Ça, ce sont des choses qui se passent déjà maintenant. Donc il ne s'agit pas de prospective, il s'agit d'exploitation possible des données qui se font avec des méthodes qui sont vraiment tout à fait comprises. Et alors il y a
un phénomène aussi tout à fait particulier qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire que dans la mesure où vous avez des experts ou des intermédiaires ou d'autres personnes qui peuvent suivre votre question, qui peuvent suivre votre profil, qui peuvent étudier ou qui ont étudié le domaine dans lequel vous êtes, en fait, quand vous avez besoin de résoudre un problème, il n'est plus nécessaire de comprendre le problème, il n'est plus nécessaire de comprendre non plus la réponse. Et donc c'est un comportement qu'on voit vraiment mis en œuvre très souvent, où en fait, en faisant appel à l'équipe, vous recevez une réponse à un élément du problème qui vous aide en fait à construire la réponse globale, et vous ne comprenez plus en fait la raison pour laquelle cette réponse est la bonne. Donc ce phénomène d'appel aux réseaux sociaux, ce phénomène de « je vais trouver la réponse à cette question, mais la réponse me suffit, je n'ai pas besoin de comprendre ce qui est derrière », c'est quelque chose qui devient possible et qui est extrêmement généralisé maintenant. Alors, en dehors de ces phénomènes qui se passent et qu'ils sont là, comme je l'ai dit, la présence d'une quantité énorme d'informations et capacité de l'utiliser, ça introduit un certain nombre de défis, un certain nombre de problématiques qu'il faut aborder et qu'il faut régler. Et alors il y en a un absolument fondamental, je pense, qui est très peu compris, c'est le nombre de gens et la répartition des gens qui sont connectés sur ce savoir, le nombre de gens qui peuvent l'utiliser et qui y contribuent. Alors, donc, vous savez peut-être qu'il y a, donc, il y a 1 milliard d'utilisateurs de Facebook, c'est 1 personne sur 7, il y a à peu près 2 milliards d'utilisateurs d'Internet sur Terre, mais il y a 6 milliards de souscriptions, il y a 6 milliards d'abonnements GSM actuellement sur la Terre, pour 7 milliards d'habitants. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 6 milliards de personnes qui utilisent un GSM. Il y en a qui en ont 2. Certains pays où la norme, c'est d'en avoir 2 et même quasiment 3. Mais globalement, plus de 5 milliards de personnes utilisent un GSM. Alors, une des caractéristiques de l'informatique, et c'est une des raisons qui alimentent ces transformations, je vous ai dit que ce sont les technologies qui transforment absolument la planète, et c'est également ce qui est derrière cette explosion de données et de capacités. Eh bien, en fait, les technologies de l'informatique, tous les trois ans, en gros, on multiplie la puissance des ordinateurs par 4. Ça veut dire que tous les 10 ans, nos ordinateurs sont 100 fois plus puissants. Et donc, aujourd'hui, avec un bon 5 milliards de personnes qui utilisent des GSM, en fait, les GSM sont de plus en plus remplacés par des smartphones, ce que j'utilise ici. Un smartphone, fonctionnellement, c'est en fait un portable, c'est un laptop exactement équivalent à ça. Il se fait que la mémoire est un peu plus petite, l'espace disque est un peu plus petit aussi, mais globalement, c'est la même chose. La puissance de calcul est la même. Et le rythme de remplacement des GSM par des smartphones, en 2013, en fait, on va vendre à peu près 1 milliard de smartphones sur la Terre. Et donc, à 3, 4 ans, 5 ans, allez, mettons 5 ans si on est un peu prudent, en fait, la quasi-totalité des habitants de la planète se baladeront avec un smartphone en poche, smartphone qui est équivalent à un ordinateur portable. Déjà aujourd'hui, au Nigeria, vous pouvez acheter un smartphone pour $50. $50. Ça devient abordable pour à peu près n'importe qui. Quand vous regardez quels sont les usages des téléphones mobiles, dans le top 10 des pays où on utilise le plus les téléphones mobiles pour accéder à Facebook, et donc Facebook, c'est une bonne métrique, hein, puisqu'un habitant sur 7, un internaute sur 2 va sur Facebook, et bien en fait, dans le top 10 des pays qui utilisent les téléphones mobiles, il n'y a aucun pays occidentaux, il n'y a aucun pays européen. Les deux pays de nature occidentale qu'on peut voir, c'est le Japon et Singapour, et ils sont en 9e et 10e place. Tous les autres pays sont des pays d'Afrique ou des pays d'Asie, où cette technologie est vraiment utilisée. Si vous allez voir en Afghanistan, par exemple, pays complètement ravagé par la guerre, le réseau 3G, 4G afghan est bien meilleur que le réseau belge. D'abord, on n'a quasiment pas de réseau 4G, il est seulement en train de s'installer, mais le réseau 4G est déjà opérationnel, le réseau 3G est bien plus efficace que celui qu'on a ici en Belgique. Et c'est l'Afghanistan, je veux dire. Bon, pourquoi ? Eh bien, parce que l'utilité de ces technologies, elle est immédiate, et ils n'ont pas d'autre possibilité que de commencer à travailler avec des téléphones mobiles, c'est suffisamment bon marché, et l'installation de réseaux sans fil, ça ne demande pas de tirer des câbles et de passer à travers un territoire montagneux, par exemple. Donc, c'est partout. Alors ça a une conséquence fondamentale, c'est que, avec nos 2 milliards d'habitants, si on regarde en plus l'évolution de la planète à 50 ans, c'est la courbe qui est là. On voit qu'on est vraiment dans une phase de croissance exponentielle de la population terrestre. Hein. On est à 7 milliards maintenant. Normalement, tous les modèles semblent dire qu'on va plafonner à 9-10 milliards aux alentours de 2050. Mais d'ici 2050, la courbe verte que vous voyez, c'est nous.
Donc d'ici 2050, sur le plan de la population, il n'y a pas d'accroissement de population dans les pays occidentaux, occidentalisés que nous sommes. Par contre, la courbe rouge, c'est la courbe des pays les moins développés. Et là, il y a un quasi-doublement de la population. En gros, il y a plus 1 milliard dans les 40 ans à venir. La courbe bleue, c'est la courbe des pays en voie de développement, mais quand même déjà vachement développés, que sont l'Inde, le Brésil, la Chine, par exemple. Et là, on est également à plus 1 milliard dans les 40 années à venir. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que bon, on est déjà, pour le moment, à 4 milliards d'utilisateurs de GSM qui vont devenir des utilisateurs de smartphones qui ne sont pas chez nous. Et on va prendre, en plus, dans les 40 ans, plus 2 milliards dans cette population. Donc on va se retrouver, à terme de 40 ans, avec plus 6 milliards d'habitants qui sont des habitants qui viennent de cultures bouddhistes, hindouistes, qui ne sont absolument pas les cultures que nous avons, qui sont donc des gens qui ont une représentation du monde qui est complètement différente de la nôtre. Alors nous, on a un certain sens de la structure hiérarchique, puisque on a tous utilisé des dictionnaires. Un dictionnaire, c'est hiérarchique. On connaît l'organisation de la royauté en France, avec le roi, les nobles, et puis monsieur tout le monde en dessous. On connaît l'organisation de nos entreprises. Cette structure hiérarchique, elle est complètement présente chez nous. En fait, pour les hindouistes, la hiérarchie, ça n'existe pas vraiment. Il y a un ordre, mais la représentation de l'univers, c'est ce symbole que vous voyez là, cette espèce de structure un peu compliquée, complètement entrelacée. Ça, c'est un des 8 symboles fondamentaux de l'hindouisme. Et pour eux, ça représente le monde, avec les intrications de tout ce qui constitue le monde, avec un cycle perpétuel de renouvellement, puisqu'il y a le cycle des réincarnations. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On se trouve en fait maintenant avec déjà, à terme de 5 ans, 4 milliards d'utilisateurs, donc deux fois en plus le nombre d'utilisateurs actuels, avec une conception du monde qui n'a absolument rien à voir avec la nôtre, avec une habitude fondamentale de voir l'organisation de leur vie qui est fondée sur des concepts qui ne sont absolument pas les nôtres non plus. Alors, quand vous êtes un fournisseur de technologie, quand vous savez que vous avez 2 milliards de clients maintenant, et puis il y en a 4 milliards de plus qui arrivent, vous vous intéressez quand même beaucoup plus aux 4 milliards qui viennent. Donc, sur le plan de la technologie, de la capacité à développer des applications, ces 4 milliards-là sont ceux qui vont peser dans les 5 à 10 ans à venir également. Un autre élément, puisque, en fait, dans l'informatique, il faut développer des applications. Je reviendrai sur le sujet un peu plus tard, parce qu'il y a une série de conséquences là-dedans. Mais en communauté française, nous avons pour le moment un bon 6 500 étudiants en informatique. Toutes spécialités, tout profil, tout cursus confondu en communauté française. Ça veut dire qu'on diplôme à peu près 1 500 étudiants par an. En Chine, ils produisent à peu près 3 millions de programmeurs par an. Alors, ce n'est pas parce qu'on est chinois qu'il faut mettre 10 fois plus de personnes pour développer une application. Je veux dire, un programmeur chinois, il développe aussi facilement une application qu'un programmeur belge. Quel poids pouvons-nous avoir avec nos 1 600 nouveaux programmeurs par an face à un pays où il y a 3 millions de nouveaux programmeurs par an? Donc, dans ce contexte-là, non seulement le sens qu'on donne à l'information, au savoir, le sens qu'on va chercher dans l'information est complètement différent, mais en plus, on se trouve là avec des gens qui ont une capacité de production d'applications et de production de contenu qui est phénoménalement supérieure à tout ce que nous pouvons imaginer dans nos propres pays. Et donc, les déterminants des usages du monde digital, pour le moment, c'est nous qui le faisons, tout est organisé sur base de la manière dont nous pensons les choses, dans 5 ans ou dans 10 ans, globalement, c'est fini. Il y a déjà plus de contenu chinois sur le web que de contenu en anglais, et complètement inaccessible pour nous parce que voilà, on ne parle pas chinois, et c'est bien là un des problèmes que nous avons. Mais nous sommes confrontés donc à une capacité phénoménale d'accès à l'information et d'accès au savoir, puisque tous ces gens produisent, mais nous allons devoir intégrer, que nous le voulions ou non, une modification totale des concepts et une modification totale des outils qui vont permettre d'accéder à cette information. Et alors, croyez-moi, un chinois, le langage chinois, c'est un langage extrêmement sophistiqué, c'est une civilisation extrêmement riche, mais les Chinois ne connaissent pas du tout le langage à base de syllabes, le langage que nous utilisons ici. Leur langage, c'est un langage symbolique, c'est un dessin, c'est un symbole qui représente un concept. La structure du langage chinois, elle n'a absolument rien à voir avec le nôtre. On a des mots, on a une grammaire, on a une manière d'écrire ça avec ces lettres que nous utilisons, qui, tiens, par hasard, sont aussi les lettres qui servent d'entrée dans les dictionnaires, qui servent d'entrée dans les encyclopédies, qui servent d'entrée aux mots-clés. Et donc, le langage alphabétique que nous utilisons, c'est aussi
le langage qui sert à déterminer la manière dont nous accédons aux informations. Pour les Chinois, le langage alphabétique, ça n'a aucun sens. Ils utilisent, en fait, parce qu'ils doivent bien utiliser des ordinateurs à clavier, ils utilisent du pinyin, qui est en fait l'écriture phonétique du son qu'ils font quand ils prononcent l'idéogramme chinois. Mais leurs bases sont complètement différentes. Voilà, et ces gens ont 3 millions de programmeurs par an en plus contre 1600 chez nous. Donc, en fait, il faut s'attendre, en termes de nouveaux savoirs, à un bouleversement absolument phénoménal de ce que nous allons voir arriver et mis à notre disposition. Alors, donc, je vous ai mentionné les bouddhistes. Il y a un personnage que j'aime bien dans ces discussions, et j'en reparlerai encore, c'est le paysan bouddhiste analphabète. Alors pourquoi ? Eh bien parce que sur la Terre, il y a quand même une grande quantité de gens qui doivent s'occuper eux-mêmes de cultiver ce dont ils ont besoin pour manger, qui doivent produire eux-mêmes la viande ou les animaux. Donc il y a énormément de gens dont la base culturelle est celle de l'agriculture, de fermiers. J'ai des oncles, des grands-parents qui étaient fermiers eux-mêmes, donc ce n'est pas très vieux pour nous aussi. Mais là, on a une base importante de la population qui est là. Pourquoi bouddhiste ? Bon, voilà, j'aurais pu dire hindouiste, je pourrais prendre n'importe quoi, mais il se fait que les bouddhistes ont une conception du monde basée sur les cycles, et conception tout à fait différente. Ce symbole de l'hindouisme, c'est aussi un symbole du bouddhisme, fatalement, hein, puisque l'un dérive de l'autre. Pourquoi analphabète ? Parce que la plupart de ces gens n'ont jamais suivi d'études, mais sont néanmoins des possesseurs de GSM, de smartphones qu'ils utilisent, avec lesquels ils vont commencer à produire de l'information. Quel est donc le concept fondamental dans la définition des usages ? Ça va être le type d'information, le type d'interaction que mon fermier bouddhiste analphabète peut rechercher. La plus grande partie du marché, ça va être ça. Alors en quantité d'informations, ça n'a rien à voir avec la production que nous avons, mais en fait, en nombre d'utilisations, ces gens vont avoir un poids tout à fait important et déterminant sur la manière dont l'accès et l'utilisation de la connaissance va s'organiser sur Terre. Donc, voilà, 4 milliards d'autres sens. Je vous ai parlé du choc des découvertes, hein, donc je vous ai parlé de cette chaîne qui arrivait à identifier les femmes enceintes. Voilà un article qui reprend un des cas qui a vraiment fait scandale, hein, puisque dans ce cas-là, c'est un père qui s'est énervé en voyant arriver les publicités et qui a débarqué dans le magasin en trouvant tout à fait scandaleux qu'ils envoient ça et qui est revenu un peu après en se disant « Oui, voilà, j'ai une conversation avec ma fille. » Bon, effectivement, quoi. Donc, par rapport à cette information, toujours pour reprendre cette idée de big data, donc ce que nous allons voir, ce n'est plus en fait la découverte de quelque chose, mais c'est le fait que quelqu'un va voir dans l'information disponible quelque chose qui y est déjà, mais que personne d'autre n'a vu. Et ça, quand on pense compétitivité des entreprises, par exemple, si vous êtes dans un secteur un tant soit peu compétitif, avec le nombre de personnes qui s'expriment sur à peu près tous les sujets, et spécialement des sujets où il y a de la nouveauté, il devient en fait extrêmement difficile pour une entreprise de maîtriser la totalité de l'information qui est produite dans ce domaine-là. Et il devient aussi extrêmement difficile de trouver des spécialistes. En fait, il n'y a plus moyen de trouver un spécialiste qui peut digérer la totalité de l'information. Et donc, un des grands enjeux, c'est de trouver des méthodes, de trouver des moyens qui vont permettre de trouver vraiment l'information qui a une valeur compétitive et qui va faire que le nouveau produit qu'on prépare, il ne va pas se trouver automatiquement déclassé parce que quelqu'un d'autre a vu quelque chose qu'on n'a pas vu. Et donc, c'est ce type de méthode de recherche qu'on voit mis en œuvre, notamment avec des techniques de big data, mais dans un cas relativement simple, hein, puisque là, c'est de l'information qui est publique, c'est de l'information qui est bien ciblée, c'est quelque chose sur lequel on peut facilement s'exprimer. Là, il y a donc un défi fondamental à résoudre pour nos chercheurs, qui est quelles sont les méthodes qui permettent de trouver ce que je cherche, qui permettent de trouver quelque chose qui a une valeur. Et pour ça, pour le moment, la réponse qu'on utilise, et celle que j'utilise à travers mon utilisation de Twitter, c'est toujours de faire appel à des intermédiaires humains, mais qui ne sont plus un spécialiste, mais qui sont une collection de spécialistes, et de l'avis de ces différentes personnes, et des différents filtres, certains profils, certaines personnalités qui arrivent à comprendre quelle est l'importance d'une information, quelle est l'importance stratégique, et bien en fait arrivent à extraire quelque chose que d'autres ne trouvent pas. Conséquence, ce type de profil devient un genre de compétence qui est absolument fondamentale pour la survie économique de nos entreprises. Alors de la même manière qu'on a vu aux alentours de 30 à 50, les personnes critiques pour la compétitivité des entreprises, c'était les ingénieurs, parce qu'on passait à l'industrialisation, il y avait du fordisme, du taylorisme dans l'organisation des chaînes de production. Donc sans ingénieurs capables de mettre ça en place, on s'en sortait pas. On est passé après aux ingénieurs commerciaux et aux gens capables de vendre. On est donc plutôt
les profils effectivement d'ingénieurs commerciaux. On est passé après à ce qu'on a appelé l'industrie des services, où on ne vendait plus un objet, mais on vendait la réalisation d'un service. Nous passons maintenant dans un mode de fonctionnement où les gens qui vont être vraiment les créateurs de valeur ajoutée compétitive sont en fait ces personnes qui vont être capables de faire du sens dans la grande quantité et dans la grande masse d'informations qui est disponible. Alors, l'autre élément très critique également dans ce domaine-là, c'est ce que j'ai appelé la rupture de la transmission. Et donc, alors pourquoi la rupture de la transmission ? Eh bien, en fait, il se fait que les technologies de l'informatique, elles sont relativement neuves. Il se fait aussi que c'est une grande loi de l'espèce humaine. Hein, les nouveautés qui nous arrivent dessus quand on a un certain âge, on a déjà développé des habitudes, on a des manières de fonctionner, et ça vient un peu briser les réflexes et tout l'acquis qu'on a. Donc on a un peu tendance à mettre ça sur le côté. Quand la nouveauté arrive chez quelqu'un qui a 12 ans, 13 ans ou 14 ans, pas d'historique, il saute dedans et il l'utilise plus facilement. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant ? C'est que, en fait, en matière d'accès à l'information, d'accès au savoir, d'accès à la connaissance, il y a, et c'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est jamais arrivé, pour la première fois, en fait, nous sommes confrontés à une génération qui a un meilleur accès à l'information que ses professeurs. Les professeurs ont été formés, les méthodes pédagogiques, on a une réforme de l'enseignement qui est à la radio pour le moment et qui essaye de changer ça, on va voir ce que ça va donner, mais nos professeurs ont été formés dans un certain mode d'enseignement, sont complètement pris à contre-pied par l'arrivée de Google, de Bing, des ordinateurs dans les classes et chez les ados, et en fait, la raison fondamentale de ça, eh bien, c'est que nos enfants, les utilisateurs de l'informatique, trouvent beaucoup plus facilement de l'information. Plus besoin de suivre le cours pour savoir quelle est l'embouchure de l'Escaut, où se trouve le confluent de la Sambre et de la Meuse qu'on apprenait au cours de géographie. On n'a plus besoin d'apprendre ça, c'est disponible. Et donc, en fait, pour la première fois, on a une génération qui n'a plus besoin des maîtres pour avoir accès à la connaissance et à l'information. Alors, ça ne veut pas dire que les maîtres sont inutiles. Ce qui reste, en fait, et ce qui est une des caractéristiques fondamentales de l'espèce humaine, c'est que il y a l'expérience. Donc, qu'est-ce que nous avons, nous, avec un certain âge ? On a fait des choses. Donc, on connaît les effets secondaires, on connaît les effets de bord, les effets collatéraux. On a une meilleure conception, on a une meilleure appréciation du risque et de tous les événements qui peuvent survenir. Quand vous n'avez jamais fait quelque chose de complexe, vous ne savez pas très bien qu'il peut y avoir des impondérables ou que certaines choses ne vont pas marcher. Donc, cette connaissance du risque, nous l'avons, les anciens, je suis dedans, 56 ans. Donc, mais voilà, quand il faut expliquer ça, eh bien, quand je dois expliquer des choses à ma fille, elle va trouver plus facilement l'information qui me manque. Et donc, on a pour la première fois une rupture fondamentale dans les mécanismes de transmission de la connaissance d'une génération à une autre. Alors ça, c'est maintenant, ça va durer 15 ans, 20 ans, pas beaucoup plus, parce que nos ados vont devenir des parents, vont devenir des professeurs, et eux seront dedans. Mais là, maintenant, nous sommes confrontés à ça. En fait, nous sommes confrontés à des technologies d'enseignement qui ne sont pas vraiment adaptées. Quand on va voir dans les classes l'utilisation qui est faite des outils informatiques dans le cadre de la pédagogie, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on leur apprend Office, Excel. Bon, alors c'est bien, ce sont des produits Microsoft, je suis assez content, mais en fait, globalement, honnêtement, ce n'est pas très utile, quoi. Le fondamental n'est pas là. C'est comment faire de cet accès à les connaissances quelque chose qui est opératoire, qui me permet de résoudre des problèmes. Et fondamentalement, on doit bien constater que les professeurs ne le savent pas, alors que c'est l'outil fondamental de nos enfants, de nos adolescents. Donc là, il y a une rupture que nous allons devoir adresser en espérant ne pas perdre trop de temps dans la transmission du savoir. Mais il y a également un risque qu'une certaine philosophie du savoir, une certaine philosophie d'utilisation de la connaissance disparaisse si, des deux côtés, mais principalement quand même du côté de la génération actuelle, un effort est fait pour essayer de comprendre exactement comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les réflexes qui sont devenus complètement naturels chez les jeunes et les adolescents, pour savoir exactement comment adopter ça. Et donc, je ne vais pas vous demander qui d'entre vous a un compte Facebook, mais personnellement, je pense qu'à titre pédagogique, il ne faut pas aller raconter sa vie sur Facebook, mais je pense qu'à titre pédagogique, il est absolument fondamental pour quiconque qui a des enfants dans son environnement d'ouvrir un compte Facebook et d'aller explorer ça éventuellement avec 3 ou 4 personnes hein, entre vous pour ne pas aller très loin, mais simplement pour comprendre comment ça marche et se faire une idée de ce qu'il y a derrière. Sans ça, nous allons rater vraiment la manière dont le savoir des ados et de nos enfants se structure, la manière dont ils cherchent de l'information et la manière dont ils fonctionnent. Rupture, voilà,
fondamentale, c'est jamais arrivé. Depuis le début de l'humanité, les anciens ont toujours su plus de choses que les nouveaux, ont toujours eu plus d'expérience. Nous avons toujours plus d'expérience. Malheureusement, nous en savons moins maintenant que nos enfants. Ça, c'est assez important. Donc, transformation du savoir, là, il y a quelque chose d'absolument fondamental. Alors, bon, oubli or not oubli. Désolé, hein, je n'ai pas pu résister. C'est une question absolument fondamentale. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas combien d'ordinateurs vous avez dans votre vie. Moi, j'ai arrêté de compter. J'en ai 50, 60, 70. Déjà, dans ma voiture, il y en a une bonne vingtaine. C'est chez tout le monde. Ma mère a 80 ans. Eh bien, elle a un robot tondeur dans son jardin. Il y a de l'informatique derrière. C'est géré par un programme informatique. Donc, nous avons des ordinateurs absolument partout. Alors, pour le moment, ils sont relativement calmes dans leur coin et ils ne produisent pas énormément de données. Mais c'est vrai qu'on a déjà des frigos qui tiennent automatiquement la liste de ce qu'on a mangé et qui peuvent vous sortir la liste des courses. On a la capacité de faire des capteurs très petits, microscopiques, qui en fait tirent leur énergie des vibrations du mur sur lequel on les colle. Plus besoin de piles. Et donc ces capteurs peuvent par exemple mesurer la température, la calculer, et puis l'envoyer sur un réseau Wi-Fi qui va faire que ça va être capté par un ordinateur sans fil dans la même pièce. Donc on a cette capacité de commencer à fabriquer des tas d'éléments qui produisent des informations et qui les disséminent. Et donc là on a également une rupture fondamentale dans nos savoirs, c'est-à-dire que pendant, jusque maintenant et encore maintenant, l'humanité a été obsédée par la perte du savoir et la perte de la connaissance. On transmet ça à nos enfants. On a construit des bibliothèques. On a, avant même d'avoir l'imprimerie, on a écrit, on a inventé l'écriture pour pouvoir conserver les informations. Et puis bon, ben, on a fait les livres, on a fait l'encyclopédie. On stocke maintenant à peu près tout ce qui se passe sur Internet. En tant qu'espèce vivante, nous sommes obsédés par la mémoire, par la perpétuation de ce que nous savons. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme je vous ai dit, donc. La totalité de l'information qui a été produite jusqu'en 2003, l'an prochain, on va la générer en 10 minutes. Et donc, le problème que nous avons, c'est que faire de cette information et que devons-nous garder, que pouvons-nous garder, que faut-il absolument oublier. Et donc, pour la première fois, nous sommes confrontés, en fait, à la nécessité de décider de ce que nous allons oublier, de ce que nous allons faire disparaître de notre savoir. Sans ça, ça va... Bon, c'est vrai qu'on aura des ordinateurs de plus en plus puissants, mais ce rôle d'intermédiaire qu'on peut trouver chez les spécialistes, cette tâche qu'on a de trouver du sens dans cette grande quantité de données, on va devoir, quelque part, commencer à décider d'oublier quelque chose. Quand nous aurons des capteurs qui vont mesurer le trafic et qui enregistreront le passage de chaque voiture sur les autoroutes, est-ce que c'est une information qui est intéressante? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut garder? Alors, vous allez peut-être me répondre « oui, absolument ». On mesure le trafic, c'est bon pour le radioguidage, mais le lendemain, ça ne sert plus à grand-chose. Eh bien, en fait, quand vous discutez avec les forces de police, avec la Computer Crime Unit, de ce genre de choses, quand vous leur dites « pas d'intérêt, on peut effacer tout ça », eh bien, là, vous avez une réaction absolument rapide et vigoureuse en disant « mais enfin, non, absolument pas, pourquoi est-ce que vous allez effacer ça ?» Est-ce que vous vous rendez compte, dans une affaire criminelle, le gros problème qu'on a, c'est de trouver des preuves. C'est de savoir ce qui se passe. Et puis, bon, les témoins, la mémoire, elle n'est pas fiable. Après 15 jours, déjà, on ne sait plus très bien exactement s'ils se souviennent de quelque chose. Les preuves qu'on va trouver sur le terrain, il pleut, elles disparaissent. Et alors, vous nous dites, là, on a un moyen, on a des éléments, je peux savoir que telle voiture est passée à tel endroit. Et puis, ça ne va pas s'effacer. Et vous venez me dire que là, maintenant, vous allez décider, après 3 mois ou 6 mois ou 2 ans, d'effacer toutes ces choses, alors qu'on va peut-être découvrir seulement que telle voiture était impliquée dans une activité criminelle terroriste dans 2 ans. Et quand on essayera de savoir où ces gens sont passés, vous allez me dire « Non, non, on a effacé les données, ben, je ne fais pas la peine de les garder ». Donc là, il y a un enjeu fondamental, et c'est un enjeu que je comprends personnellement très bien. J'ai un collègue, pas chez Microsoft, la société précédente, j'ai un collègue anglais qui est venu à Bruxelles pour un projet et donc on a terminé le projet, c'est quelque chose qu'il fallait rendre dans une banque et à la fin fête et tout et tout, et donc lui est sorti en boîte à Bruxelles et il s'est retrouvé seul parce qu'il a voulu rester et quand il est sorti à 3 ou 4 heures du matin, il a en fait été kidnappé, je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser par 3 voyous à la sortie de la boîte à Bruxelles, tabassé, forcé d'utiliser sa carte de crédit pour sortir de l'argent et à tous les terminaux où ils ont pu le faire, transporté également avec eux en voiture parce qu'ils ont continué à le battre dans un endroit plus discret. Et en fait,
forcé également d'utiliser sa carte pour faire le plein de la voiture dans laquelle il était. Alors, il était vraiment salement amoché. Hein. Il a fait 18 mois d'hôpital. Il n'a jamais vraiment récupéré. Donc, c'était vraiment, vraiment assez sérieux. Et lors de l'enquête, en fait, le seul élément qui permettait d'identifier les coupables possibles, c'était les enregistrements vidéo de la station d'essence. Et il se fait que la durée maximum de conservation de ces enregistrements, c'était 3 mois. Et le temps que l'enquête se mette en route, que les commissions rogatoires se mettent en route aussi, la demande de préservation de la bande vidéo est arrivée après le délai des 3 mois. Et donc, je vous dis, c'était un collègue, on était avec, et donc on a vu ce bonhomme qui a réalisé tout d'un coup que la chaîne qui exploitait la station d'essence allait en totale connaissance de cause, parce qu'ils avaient prévenu, il y a eu des courriers, ils savaient, allait en totale connaissance de cause effacer la bande vidéo qui permettait d'identifier ces agresseurs. Et parce que la demande est arrivée plus tard, la bande vidéo a été effacée. Et on n'a jamais retrouvé ces agresseurs. Donc, cette question de l'effaçage, elle peut sembler évidente, mais ce n'est pas évident, non. Ce n'est pas évident pour autant. Alors, c'est vrai qu'il y a des protections de la vie privée. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne va pas enregistrer absolument tout sur n'importe quoi. Mais dans la question de notre savoir à nous, je veux dire, la question de l'oubli, elle ne s'est jamais vraiment posée. Et là, maintenant, elle se pose. Et nous devons, en fait, philosophiquement, commencer à réfléchir à pourquoi garder telle information, quels sont les impacts de cette information que nous avons et que faire avec ou pas. Et là, il y a des enjeux que nous n'avons pas encore résolus, hein, honnêtement, et donc ce droit à l'oubli dont on entend parler par rapport aux informations que vous mettez pour Facebook, bon, ben, c'est vraiment un épiphénomène par rapport à ça. C'est quelque chose de fondamental, mais il y a vraiment un élément beaucoup plus fondamental par rapport à notre rapport à l'information qui se pose maintenant, essentiellement parce que nous n'oublions plus rien. Et donc, comment gérer ça ? En dehors de ça, et, il y a des phénomènes qui se passent. Et donc, ce sont les émergences. Donc, vous avez le contexte global de l'information, vous avez ces quelques défis assez importants qu'il nous faut résoudre. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qui se passe également ? Eh bien, j'ai déjà parlé de ces interactions collaboratives. Hein. Donc, voilà, plusieurs personnes se mettent ensemble et travaillent. Pourquoi est-ce que j'ai mis le MIC ? Parce que, en fait, quand on a commencé ici à Mons, à aider des start-up à définir leurs projets ou des candidats entrepreneurs, en fait, on s'est rendu compte que une bonne partie d'entre eux préféraient en fait exposer tout à fait clairement leurs projets à d'autres parce que les retours qu'ils recevaient ou les idées qu'ils recevaient étaient plus importantes que la préservation du secret et de la bonne idée qu'ils avaient. C'est quelque chose qu'on voit vraiment à l'œuvre dans les nouvelles générations. Je vous ai parlé des forums où on peut poser une question et recevoir des réponses. Cette intelligence collaborative, cette interaction qu'on voit, c'est un des phénomènes nouveaux qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit en fait que les gens travaillent ensemble de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus fréquente qu'on le voyait auparavant. Je vous rappelle ces problèmes culturels avec les 4 milliards de personnes qui vont venir dans d'autres pays. Ces phénomènes de collaboration vont se poser aussi. Et donc on a là aussi peut-être une ou deux questions à se poser. Le deuxième point dedans, c'est la prise de conscience de masse. Donc il y a ce que nous savons, il y a l'information que nous avons, mais il y a également ce que nous apprenons à notre sujet. Alors il y a cette détection des femmes enceintes, donc ça c'est, voilà, c'est du savoir à notre égard. Mais par exemple, ce qui a fait qui a permis l'éclosion du printemps arabe, c'est le fait que les populations là-bas se sont rendues compte que globalement, collectivement, ils en avaient marre de la dictature et ils n'en avaient plus peur. Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu possible ? Ce savoir au sujet d'eux-mêmes, ça a été notamment, et de manière assez fondamentale, l'utilisation de Facebook et de Twitter au moyen de comptes à pseudonyme. C'est-à-dire, à partir du moment où ils pouvaient dire des choses sans que leur nom n'apparaisse, ils sont exprimés de manière beaucoup plus claire, et cette prise de conscience s'est déclenchée dans la population et a fait qu'ils en sont passés à la révolution. Et donc on sait aussi maintenant, on a la preuve expérimentale avec le printemps arabe, que la communication qu'on a, ces espèces de SMS qu'on tweet, ou tout ce qu'on poste, en fait, contribue de manière assez fondamentale et assez opératoire à la mise en route de certains phénomènes, à la mise en marche des populations pour atteindre... Alors on a vu avant, il y a un siècle, la puissance du capitalisme, on avait vu un peu avant la puissance des idéologies, avec par exemple le marxisme. Mais maintenant, on a un nouveau mécanisme, et donc alors qu'on parle de la perte des idéologies, effectivement quelque chose qui n'est plus en phase avec la société, cette capacité à comprendre... Les envies ou à comprendre quelque chose au sujet de nous tous collectivement devient un phénomène absolument puissant. Et derrière ça, il y a en fait un retour, un renouveau du pouvoir social.
non plus à travers les mécanismes d'expression démocratique que nous connaissons, qui sont le vote et les représentants, mais à travers une expression directe de la population sur une série de sujets. Donc là, également, il y a... Bon, voilà, c'est tout à fait clair. Le printemps arabe en est la première preuve. Un autre élément qu'on voit, ben, c'est le graal des publicitaires qui est d'obtenir le buzz, hein, ce qu'on appelle le phénomène viral avec une publicité ou avec un élément qui va faire que tout d'un coup, ben, tout le monde va s'intéresser à quelque chose. Ben, il y a cette vidéo sur YouTube, hein, Gangnam Style, qui a dépassé le milliard de visions, sur 7 milliards d'habitants. Il y a en fait un vrai pouvoir qui sort de nous tous, de la masse, et qui s'exprime de cette manière-là, qui est également complètement à l'œuvre actuellement. Alors, dernier élément, en fait, c'est l'échelle planétaire. Alors, pourquoi l'échelle planétaire ? Je vous ai parlé de fermier bouddhiste analphabète, c'est ce profil-là qui va être majoritaire dans les 4 milliards d'individus qui sont encore là. C'est en fait, quand on parle de comment structurer les nouveaux savoirs, comment mettre les choses en place, comment donner accès à cette information, eh bien, la question qui se pose, c'est comment structurer ça. Je vous ai réexpliqué le dictionnaire et l'encyclopédie. Il a fallu, en fait, entre l'invention de l'imprimerie qui a permis de faire des livres et l'invention du meilleur moyen de structurer l'information dans les livres, il a fallu attendre 300 ans. C'est l'espace qu'il y a entre Gutenberg et d'Alembert et Diderot qui ont mis au point l'encyclopédie. Il a fallu pas mal de temps. Moi, j'ai tendance à penser que nous n'avons pas encore trouvé les nouveaux moyens de structurer la connaissance digitale. Et je pense que nous ne l'avons pas encore trouvé. Pourquoi essentiellement ? Parce que nous pensons dans notre monde à nous. Nous pensons dans notre structure occidentale, c'est normal, c'est là que nous sommes, et c'est là que la technologie vient, mais la vraie mesure de la validité du nouveau concept, c'est est-ce que mon paysan bouddhiste analphabète, quand il est devant un ordinateur, est-ce qu'il comprend l'information qui est là intuitivement ? Nous comprenons intuitivement les clés alphabétiques. Lui, il ne le comprend absolument pas. Et donc la grande question qui se pose, c'est à l'échelle planétaire, quelle va être le moyen de présenter l'information qui va être compatible avec cette vision. Et là, il y a quelque chose qui déclenchera alors une vraie utilisation de cette technologie pour partager, pour étendre le savoir. L'arrivée de l'encyclopédie et des livres, ça a permis de sortir du lettré et de la petite élite qui avait accès aux philosophes ou qui avait accès aux maîtres. Il y avait besoin d'un accès physique de proximité avec le maître. On a pu disséminer la connaissance à des gens qui savaient lire et écrire. Nous en sommes maintenant au stade où nous avons une technologie qui permet de disséminer la connaissance à des gens qui ne savent pas lire et écrire. Parce que les ordinateurs sont capables de faire ça. Il y a de la reconnaissance vocale, on peut leur parler. J'ai une amie aveugle dont l'ordinateur parle, donc elle a quasiment 40 ans, elle a toujours eu un équipement parlant qui lui lisait les textes, donc on sait faire ça. Depuis 5-6 ans, on sait faire de la reconnaissance vocale, on peut parler à un ordinateur. Ça ne marche pas encore très bien en français, mais parce que les moteurs ne sont pas encore entraînés. Mais ça, c'est dans les laboratoires, c'est une question d'un ou deux ans. Donc en fait, on est maintenant tout à fait capable de fournir des interfaces informatiques à des gens qui ne sont pas alphabétisés, qui ne connaissent pas l'orthographe, la grammaire, qui ne savent pas utiliser un clavier. Donc, voilà, c'est là où ça va se jouer. L'équivalent de l'encyclopédie, ça va être les méthodes d'accès, les méthodes de structuration, de production de l'information qui seront adaptées à un alphabète. Et donc, une des grandes questions avec laquelle, pas tout à fait la dernière, mais avec laquelle je vais vous laisser, c'est la question de savoir si nous sommes prêts pour ces nouveaux savoirs, en fait. J'ai tendance à penser que nous ne le sommes pas. D'une part, parce que, en matière d'urgence, l'enseignement n'utilise pas les possibilités de l'outil informatique. On apprend à utiliser quelques programmes, mais la pédagogie digitale, c'est quelque chose qui n'est pas là. Il y a, je pense, avis personnel, pas un avis Microsoft, je pense qu'il y a un échec des pédagogues à anticiper l'impact des technologies digitales sur la manière de transmettre le savoir, sur le rôle des professeurs. On le sait maintenant, on est le nez dedans, mais enfin là, on a des spécialistes qui auraient dû anticiper ça depuis pas mal d'années. Et en fait, nous en sommes pour le moment à espérer la génération spontanée des talents et des gens capables de fonctionner dans ce domaine-là, parce que fondamentalement, on n'a pas identifié les compétences critiques, on ne les a pas mis en place dans l'enseignement, on n'essaye pas de cultiver ces capacités-là, on essaye en fait surtout de les reconnaître au niveau des entreprises pour les mettre au travail. Donc là, il y a une urgence fondamentale,
La pédagogie digitale étant, à mon sens, le premier point auquel nous devons nous attaquer, de manière à ce que nos instituteurs, nos professeurs comprennent, non pas comment apprendre à utiliser un programme, mais comprennent comment former à l'utilisation efficace, productive, responsable de toutes les possibilités qui sont là dans ce domaine. Pour ça, il nous faut, je pense, absolument un agenda national. Déjà, avec le peu d'informaticiens que nous avons, on n'a aucun poids à l'échelle de la planète, mais si on n'arrive pas à fédérer la totalité des institutions et des contributeurs du pays dans ce domaine, en fait, nous allons nous trouver là avec de l'information, du savoir, sous des formes que nous allons comprendre, mais en fait, face à d'autres personnes, d'autres pays, d'autres cultures, qui vont être beaucoup mieux outillées pour les exploiter et les manipuler. Alors, finalement, je voudrais terminer avec un point qui me semble aussi assez critique, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai oublié quelle civilisation, mais on m'a appris dans mes cours d'histoire qu'il y avait, je pense que c'est en Égypte ou ailleurs, il y avait des civilisations où il y avait plusieurs langages, en fait. Il y avait le langage de tout le monde, le langage du peuple, et puis il y avait une langue particulière qui était la langue de l'élite. Et il se fait que les lois, le code, le fonctionnement du roi et de toute la cour du roi, eh bien, tout ça a été écrit dans cette langue de l'élite. On l'a encore en Chine, où il y a le mandarin, et il y a plusieurs langues qui coexistent, avec des élites qui parlent des langues que tout le monde ne comprend pas. Ici, alors je vais aller un peu loin, et je ne veux pas dire non plus que les informaticiens sont la nouvelle élite mondiale, ce n'est pas vrai, c'est là où se trouve la limite de la comparaison, mais fondamentalement, maintenant, ce sont les langages informatiques qui déterminent la manière dont nous produisons ces technologies, ce sont ces langages informatiques qui déterminent la manière dont nous l'utilisons, et donc j'ai peur qu'il y ait là, en fait, une nouvelle langue de l'élite qui soit en train de se constituer, et que les méthodes, les outils derrière ces nouveaux savoirs, derrière cette quantité d'informations, en fait, ne soient maîtrisées que par un nombre encore de plus en plus petit de gens. Je vous ai parlé de nos 6000 étudiants en informatique. Nous avons actuellement en communauté française, si on prend le total des étudiants, nous avons, c'est mon petit triangle rouge là, nous avons moins de 4% des étudiants en communauté française qui étudient l'informatique. En Allemagne, l'an passé, ils étaient à plus de 6% au total. Cette année-ci, les Allemands font 50% de croissance sur les étudiants en informatique. Il y a 9% du total des étudiants qui sont des étudiants en informatique. Quand on voit l'Angleterre est à peu près dans les mêmes pourcentages que nous. En Estonie, par exemple, qui a décidé de miser vraiment beaucoup sur l'utilisation des technologies digitales, en quelques années, ils sont passés de 0 à plus de 6%. Ils apprennent à programmer à l'école primaire. Au Luxembourg, il y a 15 à 20% des étudiants qui sont des étudiants en informatique. Par rapport aux 3 millions de programmeurs, par rapport à l'importance que les langages de programmation et l'architecture des ordinateurs prend, il y a là un savoir qui est le savoir qui permet de collecter l'autre, qui permet de construire, que nous n'embrassons pas fondamentalement de manière extrêmement enthousiaste. Il y a là une connaissance qui devient fondamentale dans la structure du monde et dans la compréhension du monde, pour lequel nous avons très peu de ressources. Et donc, en ce qui nous concerne, j'ai finalement assez peur, effectivement, que seulement un tout petit nombre de personnes ne soient vraiment capables de comprendre ce qui se passe et de comprendre ce qu'il y a derrière. Et alors, quand je parle de peu de personnes, je dirais en plus, je dirais peu d'hommes, parce qu'en informatique, il y a, dans la profession, il y a à peine 15% de femmes. Pour la première fois à Namur, à l'université, pour la première fois depuis 30 ans, il n'y a pas une seule femme inscrite en première bachelor en informatique, alors qu'il y a 30 ans, il y avait quasiment 50%. C'est en décroissance totale. Alors, il y a toute une série de raisons, mais on a tendance à dire, on a coutume de dire que la technologie est neutre, et c'est vrai qu'en gros, la technologie est neutre, mais l'implémentation de la technologie, ce qu'on en fait, n'est pas neutre du tout. Et dans une société où les technologies informatiques sont aussi fondamentales, les mettre en œuvre et les constituer en comptant uniquement sur la moitié de la population et exclusivement des hommes, là, il y a aussi quelque chose qui est un risque et qui est absolument fondamental pour nous, à régler, à traiter. Donc, mesdames, mesdemoiselles, je vous encourage à y aller. Il y a vraiment quelque chose d'absolument critique là-bas. Alors, donc, pour résumer et pour terminer, en matière de nouveaux savoirs, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait des savoirs, néologismes, désolé, coopératoires,
C'est de la coopération qui est opératoire, elle arrive à fournir des résultats, même avec des gens qui ne sont pas des spécialistes, même avec des gens qui ne comprennent pas le problème global sur lequel ils travaillent. Cette structure-là, elle fonctionne. On a maintenant un savoir qui est exhaustif. Alors, c'est un bien, c'est un mal. C'est quelque chose qu'on va devoir traiter, parce que toute cette information, on la conserve. Elle est là. Il y a énormément de choses qui peuvent s'y trouver. Il y a des connaissances ou des savoirs à notre égard qui deviennent tout d'un coup révélables. Mais d'un autre côté, elle porte énormément de choses. Et alors, elle devient planétaire. Elle devient planétaire parce que le gros des utilisateurs, le gros des producteurs des applications, il ne va pas être chez nous, il est ailleurs. Et là, eh bien, une des choses dont il faut bien prendre la mesure, c'est que Lakshmi Mittal, par exemple, il a la double culture. Il connaît la culture de l'Inde. Il connaît notre culture à nous parce qu'il a suivi des formations dans nos universités. Qui de nos élites a cette double culture? Nous avons la culture occidentale. Qui, ici, connaît également la culture de l'Inde? Tous les dirigeants chinois, tous les patrons chinois ont une formation à l'occidental et connaissent très bien la culture chinoise. Qui de nos patrons, en dehors de sa formation occidentale qui est la nôtre, connaît également la culture chinoise? Donc ce côté planétaire, c'est également quelque chose que nous devons adresser assez rapidement et même de manière absolument urgente, parce que sans comprendre la manière de penser, les représentations du monde, le type d'usage qu'on peut faire dans ces plus 4 milliards qui vont nous rejoindre dans 5 ou 6 ans... nous ne serons pas à la hauteur. Voilà, je m'en veux un peu de terminer sur cette note-là, mais je pense qu'il y a là quelque chose qui est absolument fondamental et que nous devons adresser. Voilà, merci.